Quand on a ce type de semaine, ça peut être assez difficile de trouver du sens dans sa vie. Parce que c'est la même routine qui se répète inlassablement jour après jour. Pourtant, ce que l'on imagine est bien différent. Parce qu'on a tous tendance à voir notre vie comme une histoire avec un début, un milieu et une fin éventuelle. En fait, c'est l'histoire d'un bébé qui grandit et qui apprend. Il devient alors un enfant qui s'amuse, qui joue et qui finit par étudier. Puis cet enfant devient un adulte, il travaille et il commence la vie active. Comme si la vie n'était pas active avant ça. L'adulte devient alors très occupé et il n'a pas le temps pour faire tout ce qu'il aimerait. Pourtant, cet adulte rêve, il imagine et il planifie de faire beaucoup de choses. Voir le monde, courir un marathon ou peut-être économiser de l'argent pour acheter sa première maison. Et enfin, il espère arriver à la retraite en bonne santé avec suffisamment d'argent pour pouvoir vivre de manière décente. On pense que notre futur est extensible et qu'il peut accueillir tous nos rêves et nos espoirs. On se réjouit et on planifie nos prochains week-ends et nos prochaines vacances. Et si on n'aime pas notre situation actuelle, on peut placer nos frustrations et nos déceptions dans l'espoir d'un futur meilleur. Mais si vous pensez à votre vie au quotidien, vous verrez que c'est complètement différent. Le réveil sonne, vous vous sentez toujours fatigué, mais vous vous levez quand même. Vous allez à la douche, vous vous habillez, puis vous vous préparez un café. Vous prenez alors vos affaires et vous allez au travail. Une fois votre journée de travail terminée, vous rentrez chez vous, en général fatigué. Vous trouvez encore un peu d'énergie pour vous préparer à manger, puis vous vous posez sur le canapé pour regarder quelques épisodes d'une série Netflix, tout en scrollant sur Instagram. Et enfin, vous allez au lit. Puis vous recommencez le lendemain. Et c'est à ça que ressemble la vie pour la plupart des gens, la plupart du temps. Vous faites les choses que vous faites tous les jours, vous avez une routine, un schéma qui se reproduit jour après jour. Et oui, la vie n'est pas super inspirante tous les jours. Mais est-ce fondamentalement un problème? Évidemment, les réseaux sociaux nous font croire que tout le monde a une vie incroyable. Certains sont en train de faire un tour du monde en van. D'autres ont sauté en parachute le week-end dernier et votre meilleur ami est en train de se marier avec la personne de ses rêves. Mais la vie, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des moments éphémères dans la vie des gens. Comme des éclairs, ces événements sont intenses, puissants, éblouissants, mais ils ne durent qu'une fraction de seconde. Et ce sont ces éclairs instantanés et violents que nous consommons chaque jour au travers des gens que nous suivons sur Instagram ou sur YouTube. C'est eux qui modifient la perception que nous avons de notre histoire. Et on commence à apercevoir l'écart entre notre vie actuelle et notre vie à son plein potentiel, c'est-à-dire une vie remplie d'éclairs. On imagine que nos journées ne devraient être composées que de moments inoubliables. Chaque journée devrait être unique et intense. Et les jours où il ne se passe rien d'incroyable, eh bien, on s'ennuie. On se dit que notre vie n'est pas optimale et qu'elle pourrait être meilleure. Pourtant, les orages font des dégâts et on est bien content quand ça s'arrête. Alors pourquoi voulons-nous une vie uniquement remplie d'éclairs? Les semaines qui sortent de notre ordinaire deviennent la norme et celles qui deviennent normales deviennent l'ennui. Un peu comme si on perdait notre temps à vivre notre vie à son plein potentiel. Mais cette vie incroyable que l'on se raconte, elle n'est pas réelle et elle n'existe pour personne. Ni pour Elon Musk, ni pour Beyoncé ou encore pour Thomas Pesquet. Bien sûr que ces personnes font des trucs cool comme aller dans l'espace. Mais leur vie n'est pas si différente de la nôtre. Ils se lèvent chaque matin, font tout un tas de trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, ils travaillent dur, ils sont souvent frustrés et stressés. Et eux aussi vont aux toilettes, et franchement là-dedans, ça donne pas du tout envie, ils doivent se nourrir et ont besoin de sommeil. La plupart de leur vie existe au travers de cette routine. En supposant que vous dormez 8 heures chaque nuit, il vous reste 16 heures pour jouer avec votre vie. 16 heures entre le moment où vous sortez du lit et le moment où vous y retournez. Et ça peut sembler dépressif, ou alors super inspirant. Et ça dépend de quel côté vous regardez les choses. Bien sûr que ça peut être déprimant si vous n'aimez pas les 16 heures qui passent, si vous devez aller travailler dans un endroit que vous n'aimez pas vraiment. Beaucoup d'entre nous sommes esclaves de nos mauvaises habitudes. On fait des trucs que nous n'avons pas envie de faire, on travaille dans des jobs que nous n'aimons pas vraiment, et on se met dans des situations financières que nous n'aurions jamais pensé auparavant. Et jour après jour, on a ce sentiment désagréable d'ennui et on idéalise un futur parfait où tout est rose et où les licornes existent. On attend en fait de vivre notre vraie vie qui se trouve toujours dans le futur. Mais changer entièrement sa vie n'est pas si difficile que vous le pensez. Étant donné que la vie se vit pendant 16 heures par jour, on a plutôt intérêt à être intentionnel avec ces heures-là.
On peut commencer à construire des habitudes qui sont bonnes pour nous et qui rendent notre vie agréable et enrichissante, même dans la routine quotidienne. Ce qui ne rend pas notre vie ennuyante, ce n'est pas cette semaine de vacances au Club Med, ni ce repas dans un restaurant gastronomique. Ce qui rend la vie comme une aventure, ce sont les petites habitudes qui nous construisent jour après jour, qui chaque jour nous aident à devenir cette personne que l'on veut être. Pas au travers des yeux des autres, mais au travers de nos propres yeux. Parce qu'une belle vie, c'est juste une vie remplie de jours où tout se passe bien. Pas forcément une vie où tout est facile et parfait. Bien sûr qu'il y a des moments où on se sent misérable, où on se sent nul et on se sent stressé. Et où il se passe tout un tas de choses qui nous rendent profondément tristes. Mais ce sont ces événements qui font aussi que l'on apprécie ces 16 heures qui se répètent jour après jour. Et c'est parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver quelqu'un qui me corresponde qu'aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai d'être en couple. C'est parce que j'ai vécu une période difficile où je n'arrivais pas à trouver un travail et où je me sentais misérable qu'aujourd'hui je ne me plains pas d'aller travailler et de faire 2 heures de train par jour. On apprend petit à petit à faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs et on fait ces petites choses qui nous rendent heureux au quotidien. Si vous prévoyez de faire un tour du monde plus tard, commencez aujourd'hui et planifiez un séjour dans votre pays le week-end prochain. Et pas besoin de partir loin pour découvrir le monde. Je suis persuadée que vous trouverez des choses mémorables à faire autour de chez vous. Si vous avez toujours voulu devenir cette personne en bonne santé et bien dans son corps, alors mettez vos chaussures de sport aujourd'hui et faites un petit footing de 10 minutes. Et si vous voulez devenir indépendant financièrement un jour, commencez par économiser et investir vos premiers 1 000 euros. Parce que la vie est aujourd'hui, pas demain.